Yon gros salutation avec fanatique Haïti Media on yo qui t'aime bonne nouvelle. PM Gary Conny pendant un déplacement, nous connaît monsieur gain environ 11 semaines depuis les trouvelles aux États-Unis d'Amérique. Et ben pendant monsieur deyo a gain diverses rencontres qu'elle déjà fait et dans rencontre ça yo, il était bail une interview ensemble avec RFI. Et ben dans interview ça mes chers amis, monsieur avoué lui-même tout, lui voulait dialoguer ensemble avec gang yo. Pas oublier, chef gang barbecue, t'es même voué message pour monsieur publiquement pour te dire PM Gary Conny, mon cher, yo voulait négocier ensemble avec lui, yo voulait qu'on entende qu'on chita parler. Eh bien, PM Gary Conny, Namiko RFI, lui avoué effectivement lui-même tout, lui voulait parler ensemble avec gang yo, mais pour sa fête, il y a quelques conditions qui pas supposé violer. Et condition ça yo qui ça qui yo yé, monsieur dit avant dialogue là faut que gang yo connaît premièrement faut que yo dépose zam yo et deuxièmement faut yo reconnaître autorité de l'état. Ça c'est première démarche, est-ce que comprendre qui pour faire et après on verra. C'est parole PM Gary Conny mes chers amis dans micro RFI. Kounia c'est langage codé ya. Moi même tinè gantou prête voir information qu'on est déjà. M'pa remè lè nèg ap pale et puis pour ap touni langou, ça wap di gang lan c'est tout dit une fois pour toutes. Eh bien qui ça bagay la? Ba m'explique ou. Lè monsieur mandé un, faut que gang yo dépose zam, ça on ba tout moun comprendre. Ay di pour tout zam bébé, pour tout ne comprendre pour moun capable circuler librement, pour yo pa wè présence gang yo si tout dans région métropolitaine Port-au-Prince et ainsi que département la Tibonite. Est-ce que comprendre? Mais le bagay encore qui important, l'émission mandé pour gang yo reconnaître autorité de l'état, ça veut dire qui ça? Pendant zam yo déposé a, moi même comme ça n'a bay bay l'argent, il y a quitte la fait bien, quitte la fait mal m'a parlé. Les zam yo déposé a. Tendez ça m'a dit bien, les zam yo déposé a, kounya gang yo pral obligé reconnaître autorité de l'état. Qui autorité l'état gagne? L'état gagne droit pour arrêter et en même temps faire opération dans zone yo. Est-ce que vous comprenez? Kounya si nèg la déposé zam, eh bien, l'été gang déjà, li fait la République en pile mal. Si l'État qu'on y a, vle mette action publique en mouvement contre lui, eh bien, faut gang yon reconnaître que l'État a fait. Ça, c'est yon qui m'a pas besoin d'élaborer plus, mais au moins, ou même capitaine de m'la qui pas trop bien comprendre, l'MC a parlé des autorités d'État pour gang yon reconnaître là, après ça, pour yon garder comment capable de dialoguer là, eh bien, c'est ça. Il dit, c'est yon dialogue pour moi-même qui pas abouti. T'allez bien, parce que gang yo, yo fait qu'on est même pas le déposer zam après ça pour vivre mourir tant qu'on lâche. Mais si PM l'a parlé ensemble avec yo, yo ka fait tout zam bébé, yo été dans trou yo, yo pas sorti pour permettre que gen yon redressement économique dans le pays d'Haïti. Est-ce que vous comprenez bien? Elle dit pour Gary Conny lui-même, il n'y a pas de problème pour parler avec nèg yo. Premièrement, faut nèg yo déposer zam. Et deuxièmement, faut reconnaître l'autorité de l'État. Elle dit là, on finit de déposer les armes là, qu'on a n'importe quel moment, si l'État voulait le cas arrêter, machin, mettre n'a pas de cas à venir, pour aller juger peine. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous savez là, il a oui? Bon, j'entendais assez ça. PM Gary Conny, c'est pas dans lui-même. Et quand plus de monde qui comprend ça mal, oh oui, PM, avec qui n'est-ce pas parler, qui fait tout mal ça, oh, mais on mettait peut-être nous en place pour nous comprendre, les gens ont homme d'État. Dit on baol. Comment depuis dit on la grande déclaration dit on causé, eh bien faut ou même ou descendre dans niveau parole là pour essayer comprendre qui ça le dit. Vous allez ça me bien et puis l'autre bagarre qui est important mes chers amis, faut me dire nous là gagné soit doké dans Delma 33. Par contre si nous zone ça, bon moi même songe longtemps dès qu'on a regardé football dans pas colofé. Moi si nous comprendre. Ay di moun Delma 33, moun nan Port-au-Prince, moun ki rete Delma 32, Delma 33, Gérald Bataille ap kon zone sa ki m'ap di. Mais si m'di nan do l'église Shalom, en pile nan nou ap getan wè ki bon m'ap pale. Est-ce qu'on est gon zone wè le swado ki l'autre bossa? Zone sa jounen jodi a, li tou non dépôt cadavre. Ba mwen bon pou. Zone swado ken, li tou non on dépôt cadavre. Li difficile en pile pour passer la même 11 jours, comprenez bien oui, pour pas avoir un cadavre qui a brûlé. Et ceci, selon détail, selon information que j'ai gagné, puisque son zone qui pas déjà gagné monde qui trop habité là-dedans, comprenez bien, mes machines qu'on passe là, gagne nèg là pour jouer football parce que grand pile terrain vide, on bon yo canal al fait des coups de pied là-dedans, al tirer ballon, et bien selon détail, selon information que j'ai gagné, yo apprend moins si ou gon moun ou tande la police arrête il. Si moun sa se nan blok an badel mal sorti, ou pa, ou ban wayan tout commissariat, ou pa jwenn moun sa, al fon visite nan do l'église Shalom la. Et malheureusement, ou ka arrive sou rive trop tard,
ou ka pa gen tan reconnaître moun nan parce qu'il gon paquet chien qui connaît là au rendez-vous qui toujours présent comprendre qui pour déguster cadavre si là yo ça m'a dit à là li grave mais son vérité moi même comme ça me connais pas casser causer pas casser parole depuis me gagne faut me partager gon série de moun nan 4 depuis 4 là ou li montrer c'est badel mo lever c'est l'on fait 4 là c'est l'on on prend nous activité mon cher prier bon Dieu fort ça m'a demandé si on moun nan 4 li marqué badelma ou bien li non zone de non droit pour la police arrête le pas déposer dans commissariat plus près a c'est tout là tout yo et si là ou même on paquet ignorant jeune garçon jeune femme qui marcher sans pièce yo en tout cas j'entendais assez ça c'est information qui m'a bail mais quitte me prendre petit temps ça pour me saluer apôtre Amelito ou pas qu'à bien Facebook ou pas qu'à bien TikTok pour qu'on apôtre Amelito on est qui souvent imiter pasteur Amel Lafleur comprend bien monsieur son dèg mon cher qui toujours fait mounerie sous tomber sous page monsieur Paris mais qu'on a un gros problème pour supposer ouais docteur et ben monsieur besoin plus love dans mes nous fanatiques yo comprend dégager nous ba monsieur Bella là c'est une fanatique pas tenté Haïti Media on on quitte ça là quitte me dire mes chers amis moi même pas venir là pour faire zin m'ai pas information déjà mais peut-être que ou comment la police a tap dormi sous ça en parlant des nèg belè yo nèg kempès yo qui sout pour envahir base Boyd là qui sous fond national nèg yo poko envahir base là mais nèg yo commencé faire mort sous fond national et malheureusement aucun agent Boyd yo pas recevoir l'ordre pour yo ta faire intervention yo contre gang yo. Mes chers amis, ça m'a dit nous là, c'est vraiment vraiment drôle. Comprenez bien oui. Pour gen on alerte qui lancé concernant on base qui c'est base Boyd sous fond national, eh bien gang yo effectivement yo passé à l'action mais nèg yo poko ka arrivé sous base là, mais yo commencé frapper moun nan zone yo et c'est si gen tan gen moun ki mouri, ki yo brûlé, est-ce vous comprenez? Et puis pour recommandement la police là pour ko bay l'ordre ensemble avec nèg Boyd yo pour yo ta passer à l'action pour yo camper pour ta riposter pour ta comprendre et camper contre attaque si là que nèg kempès yo a fait un moment pas avec nous là et moun sou fond national yo obligé la deux bras balancer dans garder une série de jeunes garçons qui obligé mettre cagoule avec roche nan main comprendre bouteille a tirer en bas sous nèg yo et bouteille avec roche pas ka fanyen non devant camper loin. Est-ce que vous comprenez? Mais son façon pour vous montrer, vous n'êtes pas jamais d'accord pour Fonds National ta livré ensemble avec Nek Belè. Mais conseil de Nek Belè, vous dites là, Nek ça pas manger un qui fait bon pour un jeune garçon. Vous comprenez, vous dites, monsieur, lui-même, depuis ces mesdames sur Fonds National, vous victime en bas, mais monsieur, parce que depuis mesdames, vous passé, c'est ouvrir coup de balle sur vous. Est-ce que Boyd, qui n'a espace là, qui sous Fonds National, pas si vous effets sous fort, c'est un endroit qui t'a supposé pisser. Et même avec l'académie police là, sous route frère t'a supposé une zone qui pisse soit oui, dans Port-au-Prince. On ne sait pas non. Route frère, depuis ce côté Gombaz, Delma, Deba, Delma, côté Basimoya, c'est la zone qui t'a supposé pisse soit il n'est des heures du matin, mon casse qu'il est à l'aise là de lui. Malheureusement, adieu, pays à son pays à l'envers. En tout cas, moi bay message là, me souhaiter que Ramon Omil jusqu'à présent qui montre le souffre action dans tête la police là, que monsieur lui-même ni niche pas de créole, je le connais pour au moins capable bien y en police qui opérationnel, une police qui dynamique. Et puis bon doit écouter moi là, sous gain espoir marié, sous gain espoir fiancé, songez avant même acheter bag là pour déjà checker petit comprimé crélé ultra bon là, mettez là. Sou te ka achete en quantité déposé là ka l'offin marié a li tabwa c'est ka gen l'argent ka gen bel kay ka gen on bon ti humour nan kay la mais depuis pa gen andiran sou kabane mon cher ou met voler pomper femme lan carton pou le kalage pied et pour éviter bêtises dégage orele ultra bonne kounia même nan numéro ça sou c'est Haïti ki ou ye kounia nan 3755 4606 et sous nan international là numéro téléphone nan c'est plus 1 954 945 0835. Mes amis comprimant pas vendre cher et il pas aucun effet secondaire pour faire le film consommer et pour si là qui dans diaspora yo ou besoin rentrer on prend sous site web là pour acheter pour faire pour order comprimé ultra bonne ça ka bon pour la vie coupe là, so comprendre, eh bien c'est monter kounya taper www.ultrabonne.com on capable order et on recevoir bien vite que possible comprimé roi. Important intéressant. Et puis gen on torche on cap briller là, faut me dire nous ça entre CPTA et gouvernement, assez me temps de causer dans la rue.
Yo dim ke Gary Koni ta monté vite sou messieurs dames conseil présidentiel transition yo parce que les messieurs a quitté pays ya c'est dans média mais avec tout l'autre monde t'a pral au courant que Gary Koni pas là Gary Koni pas voué aucune lettre pour t'a dit l'a déplacé au moins comme un signe de respect est-ce que vous comprenez nèg yo boudé nèg yo fâché pour ça mais c'est ça qui m'a dit nous une série de détracteurs qui commence à mettre plus ou différent même ouais gen nèg messieurs même m'a dit ça clair et comme ça mais gen moun dans pays ya mes chers amis qui nan micro chaque jour. Yo plus yo préférer pour gon instabilité éternelle dans pays d'Haïti. Sous tout plan honnête, on façon pour ka toujours joindre cause pour bat bouche. Moi même pour ça, moi ouais ici aller venir là, m'ta remet pour ma bonne nouvelle et puis n'a pété champagne. Et ça m'ta remet. Et gen moun par rapport avec vieux nouvelles qui gagnent yo en Haïti, moi obligé dire vieux parce que gen baï ki baï ka sauté, moun yo obligé désinstaller YouTube, désinstaller tout côté où connaît au moins un canal yo ka fait nouvelles sur Haïti. Et ça m'dou bien, grand pile moun ki frustré, mais gen gon série de nèg ki nan micro, yo plus ta remen pays Haïti Jean li a là pour yo ka au moins pour yo ka toujours gen audience pour ka gen contenu. Parce que le jour que gang suspend dans pays, le jour que pays a commencé à redémarrer, gen nèg ou pa vienn encore sur réseau, y a tout disparu, y pa gen l'autre cause ou ka balé. Est-ce que comprendre moi même ici a non, moi bon information et me toujours dire me souhaiter un jour ou journée jodi a pour bagay yo changer dans pays. Et ça qui me souhaiter. A dit grand pile nèg qui commencé à mettre l'huile sous di feu pour dire oui, c'est bon pour yo, si me té moins gal koni ta flèque chaque conseil on souffle. Non, li pa ça et Gary Koni li même tout li gagnen pour li répondre par rapport avec accusation ça est-ce que comprendre parce que m'était temps d'émissier dans cadre tirer tête qu'il était faire ensemble avec tout cabinet ministériel lio il dit n'importe décision qu'il a prend averti CPTA averti-il est-ce que comprendre tout ça a fait toujours battre pour conseil résidentiel transition pour rentrer là-dedans pour joindre mot paio dans mes conseils là. Et son reprend, ça dit son équipe voulait coopérer, son équipe a été de lui même seul, mais mes amis, et toujours comme ça, oui, les bons présidents ont chef du gouvernement. Qui est-ce qui est trop bon dans vrai? C'est pas chef du gouvernement pour travail, et puis pour nous, on président pour travail, on bon, mais chef du gouvernement tout, les gens plus spirit à faire, oui. Est-ce que vous comprenez? Eh bien, je ne j'en dis à la, gardez bien, oui, dans le rapport Pito Caribe, ou je ne m'attends pas là-dedans, ou pas je ne m'attends pas, mais qui est-ce qui prend l'argent de gagoter le plus pour m'attends? C'est Louan Salvador Lamotte ou je là c'est lui même qui a signé un chèque pour le bail nèg yo. Est-ce qu'on comprend c'est ça qui fait lorsqu'on chef pour venir président de la République pas capable n'importe monde pour venir président même s'il faut passer dans le parlement avec lui mais faut battre bon jouer pour gagner nèg ou au moins faire confiance. Est-ce qu'on comprend? En tout cas, j'ai entendu assez ça, bagaille compliqué mais faut me dire nous mes chers amis, prudence oui, on prend en pile prudence si tout le monde qui dans département si grand si de là en soi parce que ouragan Beryl getan rivé sous nous là et il rive à rage parce que on dit l'homme a été vraiment agité en pile côté dans grand sud là et dans sens ça m'a regardé là comprendre bien gagner mes chers amis me capable dire météo qui obligé bail conseil ensemble avec un série de monde qui dans grand sud là parce que grand pile là même son bail conseil papa je pas prendre conseil ou non frère est-ce que comprendre gagner là c'est moment pour yon, pour y aller faire visite sous là mais fait macaque et ben météo les faire connait que département grand danse sud sud-est toujours en bas menace gros vent en pile la pli à coûte l'oreille et puis gros l'en mais à cause passage ouragan Beryl dans la mer Caraïbes là eh bien forme dit nous gagner météo dans tête collée ensemble avec système cap gérer risque ak désastre ak direction générale protection civile kembe niveau vigilance orange là pour trois départements nous sous titre là yo qui c'est grand dans sud et sud-est comprenez bien et yo fait connait nous nous sous titre là yo et puis vigilance jaune pour l'ouest ak nip pendant journée protection civile a mandé population à rester vigilant et puis suivre toute consigne autorité nous yo tant que suivre toute bulletin météo et puis appliquer consigne autorité yo bay préparer pour évacuer sous rete dans zone qui compte gain inondation ak déboulonnaité pas traverser rivière cap descendre pour aucune raison pas arrêter préfenet à côté qui gain pied bois les gain coûte l'oreille à gros vent cap souffler mettez tout papier important nou yo côté qui assuré ça c'est conseil que service météo en Haïti voye bay tout si la kap tandem ki en Haïti on prend si tout ki nan grand sud la mais c'est pas vle ça pas vle dit c'est celle nan grand sud ou aga passé yo parle tout pour l'ouest ak nip qui donc c'est prudence lan qui important intéressant parce que yo dim et nan si des pays d'Haïti l'an mete extrêmement agité on prend depuis hier soir
et yo di m gen plusieurs bateaux qui endommagé site dans Marigot, l'eau a monté sous waf la cour New York dans ville Jacmel et puis écrasé quelques parties dans waf en bois ak stage. On prend te gen yon ti farina la plutôt petit, mais toujours gen en pile vent pour kounya. C'est ça qui me vient comme détail et en République Dominicaine dans pays voisin tout, li fait ti dégal, comprendre bien et yo di m sous passage ouragan ça dans Caraïbes là. Il déjà fait 7 morts. Regardez, déjà fait 7 morts selon détail, selon information qui moi-même tenais quand tu peux là me gagner, qui donc est tout à fait important, intéressant pour faire prudence qui nécessaire. Mes chers amis, non pas me tenais quand tu peux voir information, il important, intéressant ou même capitaine de là qui peut gagner numéro téléphone tenais quand tu peux là, c'est rejoignement Kounia dans numéro ça sur WhatsApp à travers on prend et numéro ça qui c'est plus 1-800-9-7-86-81-20 m'apprend. Et c'est plus 1-809-786-81-20. Moi, je prends le numéro pour si là, au moins 4 dimbali trop vite. Et mon doigt là, c'est parler, écrire ou bien quitter un audio. Important, intéressant, depuis que je joue ni ma fort réponse. Et puis, pas oublier, Oana Coulon, Gilbert de Ronville, numéro de téléphone, ça, c'est pour Tine Ganchoupret là, fanatique, pas tenter émission, hein. Moins pour qu'on joue un message, nous, ça n'attend toujours. Et puis, vous, si la gueule dit, ensemble avec Tine Ganchoupret là, au lieu de Kembe la Kembe ça, font vous régir en bas écran pour gagner Zelle, Kachap, PayPal, ou capable de faire sur Haiti Media On, à commercial gmail.com. Et l'offre fait ça, dans numéro de téléphone qui me sous le bol là, qui c'est plus 1-800-9-7-86-81-20 ou kaba mon screenshot pour dire que tu peux là me choisir encourager travail là avec ça que me gagner parce que me pas ouais quantité non c'est just et qualité à volonté qu'on gagne pour soutenir nous pour bel travail qu'on a fait depuis un bon bout de temps là dans communauté haïtienne là et dans un bon parti qui trouve yo à l'extérieur pays important intéressant écrime voyez audio mais parlez me souvenez toujours des amis. Yon leader politique criminel assassin gang qui dit kap defend droit moun. Li mette un chapeau organisation droits humains sous dol pour faire capital politique li. Li gen position politique li clair. Depuis pas le gouvernement li attaquent à tous les niveaux. Jusqu'à ce que soit yon tout yon comme président Jovenel Moïse même vient te faire là ou du moins li organise li faire foot jeto ou. Yon krasé pays sou. Pierre Espérance c'est wol li ça. Li fait politique tout toute politique traditionnelle yo son ravet politique que lié mais il dit l'a défendre droit moun. Est-ce que nous comprenons? Ou après que soit réalité composition ça fait ça c'est parce que il te gagne équipe Montana qu'il te besoin prendre pouvoir. Est-ce que vous comprenez Mabdou là? Sous Jovenel était composition c'est parce que Jovenel Moïse coupé contrat Dimitri Vob qui c'est patron. Est-ce que nous comprenons ça Mabdou là? N'après que sous Jovenel Moïse il était composition clair. C'est parce que oligarchie pour Issa t'a pris frappe dans deux dernières années de Jovenel Lyon. Ça veut dire que monsieur t'es senti que patron menacé. Et bien, il t'est paniqué. Premier monde qui a pas attaqué Jovenel Moïse toute la journée, il y a le Pierre Espérance. Nel Kassi assassiné Mathilus Pierre dans Delma 41. Pierre Espérance prend défense li. Ralphie Chevry assassiné Mathilus Pierre dans Delma 41. Pierre Espérance prend défense li. Le Ralphie Chevry pète courir. Il traverse frontières. Dominique qui bémis avec $500,000 américains, $500,000 américains, qui c'est $600,000 américains, en liquide, et c'est vérité absolue. Parce que moi vivant Dominicani. Je tengo mucho amigo en la República Dominicana. Par contre, si je parle espagnol là bien, même quand pèse mille là vrai. C'est des vérités absolues. Ralphie Chevry, t'es traversé avec $500,000 kidnapping dans même. Jodian, pour qui ça artiste qui relève isolant, pas capable de foutre Zagol aux États-Unis d'Amérique, fouer plus zone en Kalalo. Pour sa petite piste à graduer, il n'y a pas de vide dans la graduation. Ça va parler, non? Comme ça fait Etienne, et pas ça fait pas nous. Mais quand il s'agit de isolant, ou que Ralphie ou Chevry, il prend défense lui, son type qui nous pas jamais avec tout, non? Mais bon, ensemble avec l'autre contraire. Nous sommes fanatiques, li, parce que ce barricade coulier, nous connaissons ce carnaval, li, mais isolant. Fait le vin États-Unis, qu'on ne m'a pas la voix là. Pas la papa, allez. Ça va intéresser nous tous. Parce que ça va dossier qui est important. Mais fait le monter États-Unis, qu'on ne m'a pas la voix là. Attention. Il calme tout de côté, oui. Mais pour le moment, qu'on ne m'a pas la voix là, il n'est pas capable. États-Unis, dit Iso. Iso, boutizo. Isolant. États-Unis, dit boutizo. Ou pour qu'on monte nos garçons. Fait tout le monde. Fait plus le monde. Faut raison dans le calalou pour moi. Pour qu'on raison. Qui cause isolant pas capable monter.
aux États-Unis d'Amérique. Alfoué plus zone dans Kalalou. Parole n'a pas parlé comme nous-mêmes dans Info Beto. Zafè Etienne Maï pas affaire nous. Parler de artistes dans pays nous pas intéressé nous. Attaquer artistes non. C'est pas tempérament nous. Peut-être que artiste en quelque part en courant sponsor capable faire une position qui contraire par rapport avec position pau. Et c'est normal tout pour qu'elle ait position parle dans tout. Les gars doit ça. OK? On pas obligé contre lui. Mais quelque part, là elle fait avec méchanceté tant qu'isolant. OK? Ça veut dire que et pas artiste méchanceté non, là elle fait avec méchanceté tant qu'isolant, ça veut dire que volontairement, il fait attaque là quelque part ou doit redresser lui. Ça veut dire clair. Mais isolant et isolant pas qu'à monter États-Unis dans moment non. Checker pour moi toujours. Si mal informé, checker pour moi toujours pour nous connaître raison. Hein? Si bien informé, checker pour nous connaître raison. Hein? Si mal informé, n'a pas adressé pour moi. Boutizo, Boutizo, artiste pays, il va qu'à monter aux États-Unis, non? Petite belle petite fille a gradué, c'est grave, oui. Pour une petite fille ou une petite fille a gradué, et mon chou pas capable de venir dans la graduation. Li. Et isolant, prend défense, il a le fille ou chevri, qui sont kidnappeurs. Ou assassin et allié sûr de Nel Kassi, joueur fantôme section 9, ok, qui assassiné plusieurs policiers dans Port-au-Prince, qui assassiné un homme d'affaires dans Delma 41, 3 février, si m'a trompé 2021, qui est le Matilus Pierre, l'homme s'est pété couille de CPJ lancé à vide recherche derrière, et même monsieur traverse les frontières à 2 000 000 de dollars américains. Journal Dominique qui est couru par lui, et puis après ça, ou jouen ravette dans le pays d'Haïti, gang sale qui est dans le micro dans le pays d'Haïti. Yo ouvre bec yo pour yo dire comme ça que oh oui Ralph Richevri te gagne environ $310 américains la mel. Bon gang amico dans pays d'Haïti. Haïti pas capable italien là parce que moun ka parler dans micro yo soit dégager yo, li reflète exactement image pays ya. Bon salope sale, bon gang sale côté nouyé. Nous c'est même moun ak politique traditionnel. Et ça fait Haïti dans état que trouvé là. Nous pas ka supporter bien. Bon assassin, bon méchant. Et jodi an, il faut que diaspora haïtienne non naturellement comprenne qui média ka parler pour yo. Qu'est-ce qu'a pas défense yo? Qu'est-ce qu'a parlé pour pays ya? Il y a des rafettes que nous pas d'attendre dans pays d'Haïti encore. Rafette ça pas au monde. Il y a PDG média faut nous connaître wall yo dans pays ça. Faut nous connaître position yo parce que yo impliqué dans tout zak malhonnête dans pays ya. Yo connaît dossier assassinat président tout. Et tôt ou tard. Vérité dans dossier assassinat Jovenel. Gè pour prendre la rue. La justice américaine a continué frapper. Et jusqu'à maintenant, c'est non seul sens, non seul bon. Nan bo ke niye ya, nan bo ke nou montre ke ki est ce qui fait crime nan, c'est nan bo sa. Ki ambassade, alors, que la justice américaine yé. Ça pour comprendre, elle va comprendre plus davantage. Pierre Espérance a attaqué commissaire Miscadet dans toute dimension. Et en pile appel fait, en pile moun a mette pression pour Pierre Espérance pour que commissaire gouvernement Port-au-Prince là, ta va révoquer ministre justice peuple là. Alors et commissaire et gouvernement peuple là et Pierre Espérance selon toute information que nous gagnons m'a dit que et Pierre Espérance alors nous t'ai gagné depuis en 2022 nous t'ai bail information ça et côté que m'te dit que alors depuis en mai 2022 si m'a trompé moins c'était soit 11 ou bien 12 mai 2022. Je dis clairement, je vais toute information que Pierre Espérance a fait pression sous le justice Ariel pour t'avoir révoqué, pour t'avoir révoqué commissaire Jean-Ernest Muscadet. Et Michel Pilouin, monsieur, t'as préparé un document, alors c'était sous demande de Nenel Kassi avec Jocelyn Brivère. Pas oublier Jocelyn Brivère, c'est ancien sénateur NIP, ancien président de la République en 2016. Et Nenel Kassi, c'est ancien sénateur NIP tout. C'est deux cavaliers pour le cas, deux alliés sûrs. Et c'est Odea tout qui te mette France LB comme directeur général de la police nationale d'Haïti. Faut que nous rappelions ça. En avance. Pierre Espérance, même je me suis écrit, alors te produit un rapport sous Jimmy Cherizier alias Barbecue pour te voyer dans les Nations Unies. Pour te le même. Et c'est rapport ça qui finit avec Barbecue net ou qu'on est. Parce que communauté internationale là pas de prend Pierre Espérance alors pas de prend moun k'ap di Barbecue c'est gang au sérieux auparavant Barbecue te gen pile chance pour te sauver mais pas de moun dans société a qui t'envie sauver jeune garçon ça toutes les Barbecue dans Maron la police pété à vie de chez derrière c'est de gen moun dans société a qui te connaît important jeune garçon ça dans la police
yo t'a sauvé monsieur et la police t'a sauvé un bon grain. Tout ça c'était Pierre Espérance qui t'a fait des matchs là. Pierre Espérance besoin fin avec monsieur. C'est parce que tout simplement, il demandait barbecue, il était voyé Timothée Roni avec équipe li al porter $80,000 avec deux Galil barbecue pour barbecue capable assassiner collègue li qui relait Marie-Hélène Gilles. Barbecue témoignel. Tout le monde reconnaît ses vérités. Mais de fait, depuis cette expérience, c'est des éléments système là, je vais parler de lui. On avance. Et bien pays a m'a dit nous que Pierre Espérance réviser ou bien réaccélérer sous dossier bataille pour éliminer commissaire Miscadien. C'est éliminer même. Parce que pas oublier, Nenel Kassi c'est un qui détruit politiquement dans le département NIP là. Raison simple, c'est parce que avec présence commissaire Miscadien dans le département NIP, Livin fait que Nenel Kassi pas existé politiquement. T'as le. Raison simple, c'est parce que pas de leader politique Haïti qui fait politique sans gang. Clair. Et bien Nenel Kassi, son maestro dans sa fait gang. Li pas capable de faire politique sans gang du tout. Est-ce que nous là? Li pas capable de faire politique dans le département de plan sans gang. Et quel que soit côté. Et ça cause ou à Port-au-Prince, li rassure quel que gang de Port-au-Prince. Yo fin avec la police là. Yo gangsterise la police là. Toute police avec Nenel Kassi, c'est des kidnappeurs. Et Nenel Kassi sont kidnappeurs. Sous-bes connaît action Nenel Kassi dans le pays ça, sous Jovenel Moïse, font réviter l'homme innocent dans le téléphone pour dire vite l'homme, rendre tête au service. On parle avec toute franchise. Depuis qu'il a commencé à parler avec Nenel Kassi, par qui moyen ça t'est fait? Qui est-ce qui t'est fait contact yo? Qui l'a négocié avec tout koto? Combien de fois? Vite l'homme a bord tout détail net. L'homme dit nos classes politiques qu'on là, son classe d'assassin, son classe kidnappeur, son classe gang, son classe terroriste, son classe méchant. C'est pas jouet qu'il y a non? Son vérité absolue, oui. Ok? C'est bon jouet qu'il a non? C'est gros baga qui est là, oui. Et même abdi nous que, type ça quoi, regardez sur l'écran, l'homme s'est fait pression sous ministre justice avec équipe li. Ministre justice qui se met Carlos, pas décidé de prendre la pression parce que monsieur Gampil, qui relève le téléphone, qui dit monsieur, évitez faire route ça. Révocation Richemont, son beau travail. Révocation Elder Guillaume, son beau travail. Parce que assassin, ça va gagner que t'as fait la queue, persécuter les monde pour Ariel Henry. On a Richemont surtout, son gang, son criminel, son qui tue journaliste. Ligue dossier, sous doul. Mais on dit, ouais, si on attaque Muscadé, on tout fini. Comme une justice et politique, on a détruit. Et même le gouvernement qui a tombé. Il y a un pile de monde qui conseille le ministre de la justice. Mais parole là tout. Pendant que nous avons parlé de l'OCA, il y a un jeune premier ministre qui est docteur Gary Conille. Selon toutes les informations que nous avons. Gary Conille, qui est un monde qui parle avec elle, il dit monsieur, et monsieur connaît Miscadé tout. Elle me dit nous connaît. Elle dit que pendant monsieur à l'étranger, il a suivi l'actualité de Haïti, il voit qui est capable de frapper contre gang dans pays d'Haïti. Et si Gary Conille, c'est un nègre qui a envie d'éradiquer le phénomène gang dans le pays d'Haïti, la première Muscadé en pile. Ok? Bien que le Guido n'a pas eu courage pour le parler, même j'avais, non? Parce que nous connaissons ce secteur Voloa, ce secteur Gangnan qui vient avec là. On avance. Et puis Pierre Espérance dit la passe sur l'autre vitesse, ça passe plus haut. Parce que le gros contact. Qui ça, monsieur, dit? Tenez, oui, peuple haïtien. Moi, je veux chaque grand monde qui a tendu à regarder là dans la diaspora. Partagez, monsieur, ça pour nous, pour nous faciliter plus haïtien capable de tendre. Ça qui a passé dans le pays et qui jouait Pierre Espérance a joué pour le détruire avec jeune garçon qui est commissaire Jean-Ernest Muscadé. Moi, je vais nous tenter avec un peu d'intérêt. Le Pierre Espérance, ouais, que. Eh bien. Ministre de Justice, gouvernement pas envie d'elle. Il est passé de bon côté. Monsieur qui n'en, alors monsieur dame qui n'en coulève cette tête là. Ok? Il y a les côtés monsieur Liu. Et surtout pour représenter quelqu'un qui coulève cette tête là.
pour ta faire pression sur ministre alors sur premier ministre pour premier ministre ta faire pression sur ministre justice pour ta va révoquer Miskadé. C'est ça Pierre Espérance mandé. Et l'autre côté monsieur dit il va le passer, monsieur dit l'a fait exactement ça qu'on fait. Qui ça qu'on fait? L'a produit un rapport. Même j'ai le produit sur barbecue. L'a voyé le devant représentant Binu dans pays d'Haïti, de représentant Binu rapport ça pral dans Nations Unies et puis on dit à tout on le ou qu'attendez au jour que Nations Unies réunit qui est invité pour venir prendre sous tribune pour venir parler des phénomènes de sécurité dans le pays d'Haïti, la Pierre Espérance. Et le Pierre Espérance vient parler, la pral dit que gon chef de gang dans le pays d'Haïti a pas de barbecue les Muscadet. C'est ça Pierre Espérance pral fait. M'a dit peuple haïtien. À partir de jodi a, tu commences filer un bâton. Prépare un bâton avec tout piquant. Prépare un rage avec tout avec manchette bien faite, manchette nous bien filée. Gasoline, caoutchouc, allumette. Prépare le mettez là. Parce que j'ai toujours dit, jou fait la tombe dans de l'eau. C'est pas jamais juste ça le pourri. Parce que ou mettre batché, mais ou mettre tant de mettre parce que le gars met quand même. Parce que l'année qui a fait ça, la fait, faut le connaître que vous côté arrivé, il arrive dans le dernier bout. Li. Et dossier Miskadé, c'est bout de Pierre Espérance. Et nous devons faire Pierre Espérance sentir que c'est bout de lui, dans mal que l'a fait pays ça. Il n'est pas acceptable, il n'est pas possible. Classe politique en servi avec monsieur pour détruire tout le monde de bien. Secteur privé gang en servi avec monsieur pour assassiner le président Jovenel Moïse. Il servi avec monsieur pour tuer tout le monde de bien dans la société. Il servi avec monsieur pour faire la police tourner ou la police gang. Il servi avec Pierre Espérance pour détruire le caractère monde de bien. Et c'est Wally ça. Son élément clé dans le système. Nan. Et son élément, présence li, son véritable obstacle, danger pour la nation haïtienne. Peuple haïtien, prenez soin de nous. Nous pas qu'à continuer comme ça. Et bien, tout le monde clair sur ça, li pas qu'à continuer. Faut que nous admettons que le pas qu'à continuer. Faut que nous prenions toutes dispositions pour que ça pas continuer. Parce que li pas possible. Li vraiment pas acceptable pour que nous tolérer ou j'ai de débloquer comme ça dans la société. Parce que son illettré que lié, son bête sauvage que lié. L'école, si moun pas intéressé, il pas prôner ça. Mais c'est faire l'argent dans la question bagaille gang seulement qui est intéressé. N'a kap von zam nan pas intéressé. Oligak kap von bal nan pas intéressé. Il pas jamais produit un rapport pour dire qui est oligak kap von zam nan pays ya, kap von bal nan pays, ce que yo konnen parce que c'est patron. Mais la détruit tout haïtien dans pays d'Haïti qui prêt pour défendre majorité peuple là. Faut nous bay Pierre Espérance bo long nikembe. A bon entendeur, salut. Jeudi à ce 3 juillet 2024. Premier ministre Dr. Gary Conny et parler dans Nations Unies. Nous pral tande ça que et Dr. Gary Conny dit dans Nations Unies jeudi. Et puis par la suite, il y a pile bagaille que nous pral partager ensemble avec vous dans l'académie ça jeudi parce que faut que nous connaissions ce qui a passé en dedans pays là. Et gagné naturellement une délégation machine corps diplomatique machine gros figure ambassadeur qui débarquait dans grand quartier général force armée d'Haïti qui trouvait lui sous chef de masse aujourd'hui là. Et nous allons poser question qui est-ce qui était dans machine ça yo qui ça yo te venu régler dans grand quartier général sous chef de masse là. Mais entre temps comme dossier ça chaud conseil sécurité des Nations Unies li réuni et jodi an qui c'est 3 OK juillet 2024 là conseil sécurité des Nations Unies réuni et mais de fait et de fait, nous pouvons courir faire entendre l'intervention actuel Premier ministre qui c'est Dr. Gary Conny. On a entendu l'intervention dans les Nations Unies et puis par la suite pour avancer avec la programmation. Et tout d'abord, je salue chaque grand nous qui attendait, qui a regardé l'émission, quel que soit côté sur la terre. Après de nous partager, commenter, like et puis abonner avec la plateforme YouTube InfoBetoa. Et puis commenter, quitte ton commentaire. Pour nous parler avec chef de gang criminel assassin qui est Pierre Espérance là, parce que il est extrêmement important pour nous parler avec volo ça, pour nous parler avec terroriste ça, pour nous parler avec chef de gang ça. Haïti gon grand moun après commandant Guy Philippe et deux grand moun parce que pays qui trois moun là dedans en général on dit comme ça qui trois moun quoi me souvle dès pour gagner comme dirigeant dans pays d'Haïti pas gagne moyen pour parler espoir établi a bien stabilité a bien sécurité première le Guy Philippe. Deuxième dans relais, M. Luc Mandelil. Troisième dans relais, Jean-Ernest Muscadet. Mettez trois mouns ça yon pour
dans la chaîne sécurité pays pour que c'est Haïti par en souffle. Je dis à la même. Alors tout d'abord, on a tourné sur ça. On entend des premiers Gary Conny qui était pour la parole dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, jeudi, qui c'est 3 juillet 2024. Attendez ça. Et nous allons entendre Dr. Gary Conny qui prend la parole et dans Conseil de sécurité des Nations Unies, jeudi, qui c'est 3 juillet. En avance. Et tout à l'heure, Docteur et tout à l'heure, est-ce que c'est OK? OK. Voilà. Et tu as un problème de connexion? Et OK. Et voilà, m'a pas arrangé petit problème ça pour le plus que possible. Nous va l'essayer encore. Nous va l'essayer, c'est très important, OK. Je commencerai très bien. Évidemment par reconnaître la sécurité, je commencerai évidemment par reconnaître la présence dans la salle du ministre des Affaires étrangères dominicain, M. Alvarez, de la représentante du Canada, de la représentante de Saint-Kitts et Nevis, et évidemment du représentant de Kenya. Monsieur le Président, Madame la représentante spéciale du Bénin, honorable membre du Conseil, c'est avec un sentiment profond de lourde responsabilité, un espoir renouvelé dans l'engagement d'Haïti à être actrice de son propre devenir que je partage avec vous aujourd'hui les aspirations des millions d'Haïtiens. En effet, malgré des années de lutte acharnée et de résilience inébranlable, notre peuple continue de se battre pour un avenir meilleur. Haïti, enraciné dans une histoire de courage et de liberté, est prêt à tourner la page décisive de son histoire. Avant tout, permettez-moi d'exprimer ma gratitude envers l'ambassadeur de la Fédération de Russie, son Excellence M. Vassili Nemanja, pour sa présidence du Conseil de sécurité ce mois-ci, et je lui souhaite plein succès dans l'exercice de ses responsabilités. Je tiens également à remercier la présidence précédente, assurée par la République de Corée, pour son engagement exceptionnel et la gestion efficace des travaux du Conseil qui ont renforcé notre mission commune. J'adresse un remerciement spécial au secrétaire général pour son soutien indéfectible envers Haïti depuis son entrée en fonction. Son dévouement pour la cause d'Haïti et sa volonté à travailler à nos côtés pour surmonter nos défis reflète l'esprit de solidarité nécessaire à notre progrès. Sa présence continue et son soutien sont une source d'inspiration et de confiance pour le peuple haïtien. Monsieur le Président, Madame la représentante spéciale du BINU, honorable membre du Conseil de sécurité, je tiens aussi à exprimer mes sincères remerciements à Madame Maria Isabel Salvador, représentante spéciale pour Haïti et chef du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, pour son rapport détaillé et sa présentation perspicace sur les récents développements en Haïti. Madame la représentante, votre analyse approfondie et vos observations critiques offrent une importante note de compréhension des enjeux actuels. Je remercie également les membres du Conseil pour leur intervention précieuse aujourd'hui. Votre dévouement et votre engagement en faveur de la stabilisation et du progrès en Haïti sont profondément appréciés. Nous sommes conscients des préoccupations soulevées par le rapport du BINU et partageons l'urgence de résoudre de manière durable les problèmes sécuritaires exacerbés par l'activité des bandes criminelles. Ces défis menacent le tissu social et économique de notre pays et entravent nos efforts de reconstruction et de développement. Le rapport souligne également les progrès dans la mise en place de structures de gouvernance transitoire qui sont vitales pour la stabilité politique et sociale d'Haïti. Nous encourageons donc le support du BINU dans l'appui du processus politique pendant ces périodes de turbulence politique. Ce rôle reste important pour réduire les tensions, préserver et multiplier les espaces de discussion, encourager le dialogue interhaïtien. L'établissement d'une collaboration solide et d'une coopération efficace entre les autorités nationales de la transition, la mission multinationale d'appui à la sécurité et le BINU demeure fondamental et nous aidera dans notre mission de rétablissement de la sécurité et de restauration des institutions démocratiques qui sont des chantiers stratégiques de la transition. Monsieur le Président, Madame la représentante spéciale du BINU, honorable membre du Conseil de sécurité, la solidarité entre les peuples est rudement mise à l'épreuve par les conflits locaux, nationaux et internationaux.
Près d'une trentaine de conflits majeurs affectent en ce moment les populations, provoquant ainsi de graves crises humanitaires et de nombreux corps de personnes développées, déplacées. Pourtant, c'est dans ces instants fort difficiles que la solidarité tient sa quintessence. Haïti, tout au long de son histoire, a parfaitement démontré cette solidarité agissante entre les peuples. Tantôt initiatrice et tantôt bénéficiaire, la nation haïtienne, dès sa genèse, a toujours fait de la solidarité internationale un des piliers de sa vision du monde et de son engagement. Aujourd'hui encore, Haïti appelle à cette solidarité pour sortir de la crise qui ronge depuis plusieurs décennies et réussir aussi sa transition dont la durée et la mission se veulent très limitées. Chaque jour doit être mis à profit intelligemment. Voilà pourquoi, depuis ma désignation en tant que chef de gouvernement, plusieurs séances de travail ont été tenues avec le Conseil présidentiel de transition, les institutions de lutte contre la corruption et l'impunité, les forces de l'ordre haïtiennes, le secteur privé des affaires, le Conseil électoral, les représentants des collectivités territoriales et évidemment les associations de la diaspora. Dans cette même perspective, plusieurs acteurs du gouvernement m'ont accompagné dans des rencontres stratégiques avec des bailleurs et opérateurs de l'international. Au vu des engagements qui s'annoncent, je joins ma voix à celle du peuple haïtien pour remercier ses partenaires techniques et financiers de leur accompagnement jusqu'ici pour l'avènement d'une Haïti meilleure. Plus que jamais, Haïti doit mobiliser toutes les ressources nécessaires et disponibles pour faire de cette transition la dernière et qu'elle puisse la placer sur la voie de la paix, de la sécurité et du développement durable. Ainsi, il est de notre devoir de construire des partenariats solides et sincères en vue de trouver les stratégies adaptées tenant compte des aspirations du peuple haïtien. Haïti se trouve à un moment critique où 12 000 individus armés tiennent en otage une population de 12 millions. À ce tournant décisif, aucun chantier, qu'il soit économique ou politique, ne peut être abordé sans la question sécuritaire. C'est d'ailleurs pourquoi mon gouvernement s'agit. Très bien. La mise en œuvre des engagements pris à travers la résolution 2699 relatif à la mission multinationale d'appui à la sécurité. Le déploiement du premier contingent des policiers aux côtés des forces de l'ordre haïtiennes devra contribuer à mettre un frein au barbarisme des groupes criminels. Cependant, Haïti doit échapper à la spirale des missions sécuritaires définitivement. Pour ce faire, il faut redéfinir les approches pour qu'au terme de la MEAS, le pays dispose d'institutions fortes et efficientes pour que nos partenaires internationaux et nous autres éprouvions le sentiment du devoir accompli. Et pour gagner ce pari, mon gouvernement engagera une approche sécuritaire holistique et de proximité. Holistique, car il faut adjoindre de manière efficace le redressement économique et l'accessibilité des services sociaux de base, de proximité, car il faut rétablir la confiance de la population dans sa police. Dans ce contexte, la réforme de la police nationale deviendra un élément indispensable. Notre situation exceptionnelle de sécurité nous commande une police de proximité capable de rétablir et de maintenir l'ordre public et la paix civile, non pas en misant exclusivement sur la répression, mais aussi en s'appuyant sur la prévention et l'accompagnement. La réforme dont il est question couvrira les dimensions logistiques, opérationnelles et financières nécessaires à la mission de sécurité de l'institution policière, afin qu'elle soit en mesure de protéger et servir convenablement la population. Nous entendons mettre ainsi le cap vers la réconciliation police-population. De sérieuses procédures d'assainissement interne sont déjà envisagées pour restaurer la confiance à cette institution qui doit être désormais crédible et efficace. Les forces de l'ordre haïtiennes et la mission multinationale d'appui à la sécurité ne peuvent à elles seules garantir cette paix définitive qui se veut être le paradigme de ce nouveau gouvernement. Faire de la sécurité la question de chaque village, de chaque communauté, doit impliquer le soutien de la population. C'est la raison pour laquelle je préconise l'élaboration d'un plan global, intégré et réaliste pour accompagner la population. Celui-ci doit prendre en compte l'établissement d'infrastructures adéquates et conformes aux normes de construction moderne, la réorganisation de certaines villes, la réhabilitation, l'implémentation de services sociaux de base fonctionnels et le développement de pôles d'emploi et de développement dans les communautés. Ce n'est que par cette voie que nous arriverons à rétablir une paix et une sécurité durable en Haïti. Cette approche holistique, intégrée et réaliste, s'inspirant du courage et de la résilience du peuple haïtien, sera celle incarnée par ce nouveau leadership de la transition. Par conséquent, avec nos amis de l'international, il devient opportun de revisiter l'accompagnement accordé à Haïti. Cet accompagnement, qui est un devoir de solidarité entre les peuples, ne peut se limiter au contour des seules volontés de l'accompagnateur.
Il doit faire de la compagnie un acteur apte à appréhender les défis et à décider de son destin. Les difficultés auxquelles est confrontée Haïti sont énormes. Avec un taux d'inflation qui déplace les 27%, près de 50% d'emplois perdus, rien que dans le secteur textile, une insécurité alimentaire qui affecte 4,5 millions de personnes,